Quelques jours après l'ouverture du nouveau réseau, la fréquentation des lignes de Seine-Sud-Est ont considérablement augmenté. Par ailleurs, la ligne 135 est désormais la ligne la plus fréquentée. Bonjour à toutes et à tous, dans le reste de l'actualité de votre nouveau journal, plusieurs questions se posent sur le devenir de Celestia. Certains pensent même qu'au fil des années, elle aurait changé de place, ou pire encore qu'elle aurait perdu de la hauteur. Alors que les réglementations se durcissent pour les laboratoires à Piltover, certains sont prêts à prendre des mesures très exceptionnelles. Tout sera détaillé tout à l'heure dans ce journal. Et pour terminer, nous partirons à la rencontre de jeunes aventuriers qui nous feront découvrir tout au long de ce nouveau grand format que cuisiner et manger des monstres tout droit sortis d'un donjon n'est pas une si mauvaise chose. Cela fait plusieurs mois que le nouveau réseau de bus Seine-Sud-Est est en service et il montre déjà ses preuves. Depuis le début, la fréquentation ne cesse d'augmenter et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et parmi ces lignes à succès, la ligne 135 est étonnamment la plus fréquentée de toutes. Alors comment expliquer ce phénomène déjà apprécié par la majorité des voyageurs ? Plus d'infos dans ce premier reportage.